Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah oui, vous avez vu quand même un petit peu, donc le 1er janvier, oui, j'étais complètement claqué. Vous voyez ce que ça fait de travailler pendant des heures acharnées, justement, un petit peu dans le bordel. La vidéo des nouvelles logs ont été enregistrées avant, bien sûr. C'était le dawa, surtout avec les nouvelles fêtes de fin d'année, tout le bordel, c'était le bordel, donc j'espère que vous avez quand même plu, vous avez agréablement apprécié les fêtes de Noël, hein. Bon, je vous l'ai pas dit dans la vidéo de tout à l'heure, je vous l'ai dit. Donc du coup, on va un petit peu retourner sur un petit peu le vif du sujet, de ce qu'on avait dit, dans qu'est-ce qu'on va faire donc en 2020. Donc on va ressortir un petit peu un format spécifique. Comme vous le savez très bien. Bon, je vais pas rabâcher là-dessus. Vous regardez mes vidéos de Minecraft, vous le verrez tout de suite. Je me suis amusé, donc il y a une paire de temps, à faire des petites vidéos privées perso pour Palamode. Il y avait le Palamode V4, le V5 et le V6 que j'ai eu récemment. Alors mon pote, il me les a refilés. Donc du coup, il a été chercher je sais pas où sur internet. Il a été avec mon PC, il a regardé, il a récupéré les mods. Donc je les ai mis de côté. J'ai fait je crois, plusieurs vidéos dessus. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Il y en aura plus dans le petit à petit. Une vidéo par mois qui sortira du Palamode. Donc ça va être compliqué, ça va être long. Bon, là, à peu près 8 vidéos, c'est-à-dire 8 mois. On est tranquille jusqu'au mois d'août, juillet, août facilement. On a ça. On a aussi pas mal de vidéos aussi à faire plus tard. Bon, là, c'est un détail. Là, c'est vraiment la présentation. Donc déjà, on va parler des vidéos sur le Palamode. Alors, il y en a une qui sortira... pas mardi là, mais mardi prochain, donc le 14 janvier. Voilà, donc à peu près le milieu du mois, il y aura une vidéo bien spécifique du Palamode. Alors, j'ai pas tous les trucs en question du Palamode, vous le verrez. Vous saurez simplement que dans la V4, bon, alors, il n'y aura pas que le Palamode, il y aura aussi tous les modes que j'utilise. Donc, je teste, on va dire, la première version de Palamode que j'utilise, c'est la version V4. Et donc, du coup, j'apprends plus les choses, on va dire, sur le tard, on va dire, c'est-à-dire je découvre un peu... les modes un peu que j'utilisais actuellement en 1.7.10 plus le Palamode qui est dedans. Bon, ça c'est une version un peu spécifique. Le V5, justement le V5, c'est la version Palamode avec donc le début où on voit tous mes modes à chaque fois comme d'habitude, le Palamode qui va simplement servir à d'autres bricoles, donc on verra aussi l'armure en pala et tout ça dedans. Nous avons aussi pas mal de choses dessus, donc vous verrez par la suite, hein, vous verrez. Et on aura avec l'exclusivité la découverte et la création de la fameuse map 1.7.10 qu'on avait faite, les fameuses 17 heures justement de création de map sur mon Minecraft modé. Donc là, ça permettra de vous savoir l'histoire, les petites fondations de base de ce que c'était la map avant, ça peut être intéressant. Et puis après, on découvrira la map V6 à peu près cet été tranquillement. Par contre, Minecraft modé, bon, ça je vous explique vite fait. Je pense que je vais faire pas mal de vidéos Minecraft, peut-être, je suis pas sûr, je ne sais pas, en milieu d'année, peut-être cet été, je vais faire pas mal de vidéos Minecraft modé pour passer l'été, ça peut être pas mal. Et donc, du coup, voilà, donc c'était un petit peu le truc en question. On se retient au courant, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. C'était une toute petite vidéo de présentation, donc ça veut dire qu'en fait, tous les mois il y aura un Palamode. Donc là, il n'y aura pas le mode V4, V5, V6. Bon, la première vidéo, c'est que V4, il n'y en a qu'une seule. Hein. Franchement, ça sera vraiment pas mal. J'ai fait vraiment des petites séries là-dessus. Bon, à part la V4, bien sûr. Hein. Une série sur la V5, ça m'a vraiment plu de vous le faire montrer. Ça me plaît vraiment. Parce que de base, c'est un truc privé. Mais avec le recul, je dis quand même que ça peut être bien. Parce qu'il y a beaucoup, des centaines de gens qui s'amusent à faire une vidéo sur le Palamode. Donc, pourquoi pas faire pareil, hein. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme dit bien entendu, bah... Oh... Ah, c'est pas faux.